Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lego City Undercover. Donc on continue hein, tous les collectibles. Donc là on va faire la mission spéciale 4 fou de Kung Fu. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, deux véhicules, deux personnages, quatre insignes de police, trois briques dorées et une brique rouge à récupérer. Donc vous voyez, c'est juste ici le dojo de Barry. Hein. Vous montez. Voilà. C'est un petit peu en dessous hein, des mines. Voilà. Ensuite, vous faites continuer, voilà, comme ça vous arrivez directement dans le niveau. Donc là, vous allez voir, hein, on va avoir voilà, des petites choses à faire. Ça va pas être très très long. Hein. Donc là, directement, dès que vous rentrez dans le niveau, vous avez un véhicule à récupérer. Donc là, il va falloir casser, donc avec le mineur, il va falloir casser les boulets, là. Voilà, pour libérer hein, la plaque. Hein. Ensuite, ça va nous servir avec l'ouvrier, hein. Donc ensuite vous allez prendre l'ouvrier, voilà, vous allez mettre un petit coup de marteau piqueur, ensuite vous allez faire rond, et là vous allez récupérer donc le véhicule, voilà, le roi. Donc ensuite les amis vous pouvez vous mettre hein, en astronaute, vous pouvez monter là, hop, là vous rebasculez en policier pour pouvoir tirer donc la petite échelle. Ensuite vous rebasculez en astronaute. Voilà, l'astronaute il est vraiment pratique hein, pour faire les niveaux. Donc là vous allez venir ici, là vous pouvez mettre un coup de poing ici si vous voulez pour faire descendre l'échelle. Donc pensez à activer voilà le x2, le x4, le x6, l'aimant à briques. Ensuite vous avez construction rapide et par contre la dynamite, hein, vous voyez, je peux pas l'activer, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il me faut tous les bonus en rouge pour pouvoir activer. Donc là, ce que vous allez faire, voilà, vous allez taper ici, et là, maintenant, vous allez prendre le policier, vous allez mettre un coup de grimpa, hop, vous allez monter, et là, on va récupérer, là, on va tirer hein, le levier, on va récupérer donc la torche, on va récupérer un autre, on va récupérer un personnage, ce coup-ci, voilà. Donc il est juste ici. Donc moi, il s'affiche pas parce que je l'avais déjà ramassé, mais vous, si vous l'avez pas ramassé, là, vous allez avoir un personnage, hein. Voilà. C'est un maître karaté, je Il va me crois. falloir Donc là, beaucoup il y a plus de 5 temps que cette ornements à simple mission. détruire. Donc voilà, donc je vous conseille. Hein. Alors moi, je l'avais fait. Il faut pas le faire avec le voleur. Je l'avais fait avec l'astronaute. Voilà. Donc vous voyez, hein, vous avez le premier qui est juste ici, là, dans l'angle. Vous avez le deuxième. De toute façon, vous les reconnaissez assez facilement. Ils sont rouges. Ils sont rouges. Hein. Vous voyez, ils sont rouges avec des petites taches noires. Voilà, vous avez le troisième ici. Là, le quatrième. Voilà. Et vous avez le cinquième juste ici. Et là, vous allez avoir un insigne de police. Voilà. Donc ensuite, il va y avoir trois statues à détruire, trois statues de lion. Donc là, vous allez monter. La première, elle est en haut. Enfin, vous pouvez même faire les deux d'en bas et ensuite faire celle d'en haut. Donc là, je vais casser l'échelle, voilà. Pour pouvoir remonter plus rapidement après. Donc là, vous rebasculez en policier. Et donc là, vous avez une statue ici à casser. Voilà. Donc vous faites rond. Une fois qu'elle est construite, vous refaites rond. Pour faire tourner les trucs, hein, vous voyez? Et ça va vous mettre 1 sur 3. Voilà. Donc ensuite, les deux autres, elles sont en bas. Voilà. Donc vous avez celle-ci. Pareil, vous faites rond. Et une fois qu'elle est construite, vous refaites rond. Et pourtant, Voilà. Pour personne. pouvoir faire tourner, hein, voilà les petits trucs, donc 2 sur 3, et la troisième elle est là, elle est juste en face. Donc pareil, hein, vous la cassez, vous construisez, et Alors vous quoi? faites rond une fois qu'elle est construite Mais pour pouvoir faire pourquoi? tourner. Attends un peu. Voilà, Mais ce sont de et du coup manières là vous allez avoir un totalement deuxième différentes. insigne de police. Des porte-manteaux. Quel idiot tu fais, Chase. Donc ensuite, je me rappelle même plus ce qu'on va aller faire après. Donc là, ouais, là, il vous faut 40 000 hein, pour construire. Moi, j'étais à 31 000. Donc, du coup, ce que j'ai fait, hein, c'est que là, j'ai fait le mini-jeu pour pouvoir avoir une super brique. Alors, peut-être que vous, il vous manquera un peu plus. Hein. Donc, en tout cas, moi, il m'en manquait qu'une. Donc, vous faites le mini-jeu, déjà, vous en avez une. Vous allez récupérer un petit feu d'artifice. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Hein. Sur ma chaîne, j'ai fait les vidéos des chapitres si vous voulez récupérer les autres super briques. Mais je pense que vous aurez assez. Hein. Donc voilà, là j'étais à 51 000, donc du coup là je vais construire le dragon.
Ça va nous donner la clé. Hop. Et ensuite, ça va se passer dans le donjon. Hein. On va avoir 6 plantes à arroser. Ensuite, ça va se passer dans le donjon. Donc ça, je vous le laisse parce que, bon, bah voilà. On va récupérer, vous voyez, le dragon va brûler la statue. On va récupérer la clé, du coup, on va pouvoir accéder au donjon. Et ensuite, vous allez voir, dans le donjon, on va avoir des trucs à faire. Donc vous allez mettre votre clé ici, hop. Mettre un petit coup de clé. Vous ouvrez la porte. Et ensuite ici, vous allez devoir repasser en fermier, arroser les plantes. Donc vous avez 6 plantes à arroser. Voilà, donc la première, elle est juste ici. Ensuite, vous avez 2 et 3 là-bas, au fond, vous les voyez. Hein. Hop, une petite plante. Ensuite, vous en avez une autre ici. Voilà. Ensuite, vous prenez pas le gong tout de suite, hein, surtout parce qu'on a plein de choses à faire. Donc ensuite, hein, voilà, vous en avez une autre ici. Donc la quatrième, la cinquième. Puis la sixième, il va falloir revenir vers moi. Voilà, elle va être vers le début. Elle va être juste ici. Et là, du coup, bah, vous allez récupérer encore un insigne de police. Voilà, le numéro 3. Donc ensuite, là, on va devoir repeindre les statues que vous avez vues, là. Donc là, vous repassez en astronaute. Vous venez au téléporteur. Vous appuyez sur rond pour vous téléporter. Et la brique rouge, elle va être là aussi, vous allez voir. Alors, il faut la résoudre une petite énigme. Donc là, voilà, vous avez 4 statues à repeindre. Donc il va falloir casser ici. Construire le petit tremplin là, voilà, sauter, et là on va aller à la machine en fait pour changer la couleur de notre pistolet. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est qu'avec l'astronaute, si on se loupe, ben, on peut remettre un petit coup de... Donc là vous repassez en voleur pour changer, hein. Voilà la couleur de votre pistolet. Donc là on a 4 statues à repeindre, donc voilà, c'est une couleur or, hein, vous voyez. Donc là vous avez les 2 premières ici à repeindre. Voilà. Et ensuite, là, vous redescendez et vous en avez 2 à l'entrée. Vous avez 2 statues à l'entrée à repeindre. Donc vous avez celle-ci. Donc si ça marche pas, voilà, reculez un petit peu. Et vous avez celle-ci. Et là, vous aurez vos 4 insignes de police. Et donc ensuite, hein, on va récupérer donc un véhicule et un personnage, je crois. Donc il va falloir remonter. Là, on va récupérer. Là, on va récupérer hein, une dynamite. Voilà. Donc là, il y a un véhicule à récupérer. Donc voilà, vous sautez ici. Hop, là, vous cassez la caisse. Et en fait, vous allez avoir une dynamite. Donc il va falloir reprendre l'ouvrier. Hein. Enfin, le mineur, excusez-moi. Pour pouvoir choper la dynamite. Voilà, là, vous allez casser. Vous allez venir casser le miroir. Et là, dans le miroir, vous allez voir, il y a. Un véhicule à récupérer, donc l'air dryer, voilà. Et ensuite les amis, on va aller récupérer un personnage, donc pareil, vous reprenez votre astronaute, vous revenez ici, hop, vous vous téléportez en haut, et ce coup-ci on va aller sur notre droite, voilà, et là on va casser hein, les 2 caisses. Donc là vous allez pouvoir récupérer pareil la dynamite, hein, avec... pareil, le mineur. Ah non, c'est pas une dynamite, c'est une statue, excusez-moi. C'est une petite statue, voilà, qu'il va falloir remettre ici. Et là, on va récupérer donc un personnage. On va récupérer Barry Smith. Donc voilà, c'est le gars hein, qui ressemble un peu à Morpheus, quoi. Donc là, vous remontez encore en haut, et là, on va faire une petite énigme pour la brique rouge, et après, ça sera fini. Hein. On aura déjà tout fait. Donc là, il va falloir que vous changiez, donc voilà. Donc là, il va falloir que vous mettiez donc, la pioche. Par contre, il faut que vous rappuyiez pour l'arrêter. Hein. Voilà. Là, il va falloir que vous mettiez donc, l'arrosoir voilà, du fermier. Là, il va falloir que vous mettiez le truc du voleur, le signe du voleur, l'espèce de stéthoscope. Hein. Et là, il va falloir que vous mettiez donc, le marteau-piqueur le marteau-piqueur de l'ouvrier. Voilà. Donc en gros, voilà, il faut que vous fassiez ça. Hein.
Donc vous mettiez la pioche du mineur, l'arrosoir du jardinier, le stéthoscope du voleur et le marteau-piqueur de l'ouvrier. Voilà. Et donc ensuite, je vous mets un accéléré parce qu'ensuite, bah, il suffit de finir. Hein. Voilà, vous prenez le gong, vous tapez un coup de gong. Et là, je l'avais fait tomber, mort de rire. Donc vous tapez un coup de gong et ensuite, il va falloir finir tout simplement la mission, quoi. Vous allez pouvoir finir. Donc là, hein, vous allez devoir, voilà, dans un premier temps, hein, projeter des ennemis. Vous allez avoir divers exercices à faire, donc je vous les mets quand même, parce que en fait, vous pouvez pas partir du niveau comme ça. Hein. Je crois que vous êtes quand même obligé de finir le niveau pour que ça sauvegarde, en fait. On peut pas juste faire les collectibles et partir du niveau, en fait. Donc voilà, je préfère vous le dire. Et puis, bah oui, pensez bien aussi à monter hein, votre jauge de héros. Voilà, héros de Lego City, la jauge jaune à fond, pour pouvoir avoir aussi la troisième brique dorée. Voilà. Donc voilà les amis, hein, en ce qui concerne hein, les collectibles pour ce chapitre. Donc là, voilà, vous allez devoir faire hein, diverses choses. Prendre un ennemi, le jeter sur un autre. Je vous ai fait un petit accéléré pour que ça aille plus vite. Ensuite, il va y avoir les deux costauds qui sont à côté de lui, il va falloir les battre et après, bah, ça sera fini. Et ensuite, on va voir ce qu'on a débloqué. On a débloqué, je crois, le super projection, je crois, un truc comme ça. La brique rouge, je crois que c'était ça. Donc là, vous allez devoir battre tous les ennemis. Hein. Là, c'est un petit peu, lié à vos divers entraînements. Donc là, vous voyez, on a débloqué le super lancé. Voilà, on a débloqué le super lancé. Donc on a nos 4 insignes de police. Voilà. Ensuite, on va avoir donc le véhicule hein, qu'on a déverrouillé. On va avoir le deuxième véhicule. Donc les personnages, vous allez en avoir deux. Moi, j'en ai qu'un parce que j'en avais déjà débloqué un. C'est le maître karaté, je crois que vous allez avoir. Et là, ensuite, hein, bah voilà, les briques dorées, hein, un signe de police. Vous allez avoir sûrement les deux autres pour avoir fini le niveau et pour avoir fait Lego héros de Lego City. Allez, ciao les amis, ciao ciao.